Donc, voici les fameux caoutchoucs de bas de porte, contour de porte. Je dois vous avouer que le client vient de la région de Sherbrooke, je crois. Donc, il y a beaucoup de saleté quand même, parce que là-bas, c'est assez exceptionnel comme territoire. Donc, on peut voir que les seuils se salissent quand même. Imaginez le caoutchouc qui frotte constamment ici, va faire de l'usure prématurée, c'est de toute évidence. Ça, on va voir ici par en dessous. Oui, ça a été taillé. Ben, regardez le problème. C'est pas le taillage que l'eau empêche de sortir. C'est que l'eau vient couler ici. Va rester pris longtemps. Si on peut voir, là, ça a été collé sur le joint. Donc, le joint, là, ne respire plus. Se remplit de terre. Décolle légèrement. Excusez le zoom. On est sur le bord, c'est plus facile. Regardez. Fait que le joint, là, il se ramasse tout le temps avec de l'eau. Ici, hier, là, c'était tout mouillé, évidemment. Dans mon garage, un méga déshumidificateur. Si on regarde l'arrière, évidemment que les cadres viennent quand même sales. Ça, il n'y a rien à faire, là. C'est sûr que, comme je vous dis, c'est un territoire. Regardez, les cailloux, la saleté. Donc, si on pose des caoutchoucs, il faut assurément nettoyer périodiquement. Regardez ici, là. Donc, puis c'est ça l'idée, c'est que c'est collé sur le joint. Donc ici, là, la craque ne respire pas, l'humidité rentre dedans, la crasse. Là. Puis après ça, de quelle façon qu'on nettoie ça? Regardez même le côté ici, là, complètement collé. Les deux côtés, on n'a pas accès. Donc, je suis persuadé qu'il va y avoir des problèmes à long terme. Pas à court terme, évidemment. On va aller voir juste l'autre côté, tant qu'à faire. Je vous dirais une chose à faire importante, là, à faire attention, c'est ici, ici. Vous pourriez poser une bande par pierre à cet endroit. Ici, les pieds ça viennent sales, la moulure vient couper la peinture qui est très mince sur le bas de porte. Ça fait des boursouffes. Donc, voilà. Donc, à vous de voir si ça vous convient comme installation. Je ne le recommande pas du tout. Voyez-vous, c'est sale quand même et c'est pas le fun à nettoyer, là. Tandis qu'un bas de porte qui n'a pas ce seal-là, ça se nettoie là, en passant un petit microfibre en 30 secondes. Un bas de porte est tout propre. Là. Puis j'ai dit 30 secondes et c'est que j'enlève. Donc voilà, je vous le recommande pas du tout.